Salut. Nous, c'est Pauline et Brice. On est pendant un an en Asie du Sud-Est. Actuellement, on est à Nui Nie au Vietnam. On vous embarque avec nous. Bienvenue dans ce nouveau récit d'aventure. Nui Nie, c'est une ville qui est très touristique, balnéaire, en bord de mer. Surtout touristique pour les Russes, les Anglais et les Australiens, puisque les gens viennent faire du surf. Pour l'instant, première impression, vraiment pas ouf. C'est une décharge publique, il n'y a pas d'autre terme. Tout le bord de mer, tous les bords de route, c'était déjà le cas à Quinion. Et là, j'ai l'impression que c'est encore pire, si on pouvait faire pire. Du coup, bah, c'est vrai que ça donne pas forcément très envie de se balader, parce que on se rend pas forcément compte, mais... En fait, depuis qu'on fait la côte vietnamienne, depuis qu'on a quitté le nord, il y a une pollution ici, il n'y a pas de mots. Et puis bon, on va pas vous amuser à filmer tous les tas de déchets qu'on trouve. Imaginez-vous presque le pire, et vous avez raison. Il y a des animaux morts sur la plage, il y a des décharges publiques avec les odeurs. Vraiment, désolé, on commence pas le vlog là, ouais, en mode méga positif. Mais là, faut qu'on vous en parle. C'est pas quelques déchets, quoi. Là, actuellement, on est à un truc très connu à Mui Nie. C'est connu pour ses grandes dunes de sable, un petit peu style désert. La route de là où on loge, donc un petit peu plus loin jusqu'ici, c'est n'importe quoi les déchets. Avec les odeurs qui vont avec. Ah c'est fou. Bon voilà, donc là on est au Red Dune, c'est un truc très connu à Mui Nie, encore une fois, voilà, des dunes de sable, on va vous montrer un petit peu tout ça. Ouais, c'est pas fou, hein. Franchement... Après le nord et ses rizières, ses montagnes vertes, où vraiment la couleur qui prédominait c'était le vert. Ben voilà, le Vietnam c'est aussi ce genre de lieu un peu désertique. Alors c'est pas très grand, on est très loin du désert, mais c'est quand même assez impressionnant. Je vous reprends là, on est au point de départ, hein. On est retourné à l'hôtel. Je crois qu'on a sous-estimé la chaleur, on revient de Dalat où il faisait 20 degrés. Et les dunes là, ressenti 44 degrés dès le matin, c'était très compliqué. Donc ouais, on est rentré direct après, et de toute façon ce matin en se levant, on sentait que c'était pas forcément la bonne journée. Je pense qu'on se retrouve demain, besoin de repos un petit peu aujourd'hui. J'ai pris un petit coup de fatigue là sur les dunes, en plein cagnard, 44 degrés. Voilà, allez, on vous retrouve demain.
vous l'avez vu, on a visité un super temple, le Chua Tien Kuang, 10 minutes au nord de la grande route de Mouiné. C'était très joli. Ouais, il était super, super beau. Voilà, du coup, là, on est le lendemain. Ce matin, on est allé à un spot que moi, j'avais hâte de faire, à Mouiné, qui est à une quinzaine de minutes à pied de là où on loge. Ça s'appelle le Fairy Stream. C'est en fait une petite balade, les pieds dans l'eau. L'eau est censée, en fait, arriver juste au-dessus du pied et il y a un départ. Et en fait, on longe comme un canal et on arrive un peu dans la nature en longeant ce petit ruisseau jusqu'à une petite cascade. Donc, hier soir, en fait, il a plu vraiment toute la nuit avec des orages parsemés de partout. Enfin, ça n'a pas arrêté. C'était super impressionnant. C'était très beau. Là, nous, là où on loge, on est face à la mer et du coup, sur le balcon, on voyait orage à gauche, orage tout droit, orage à droite. C'était hyper impressionnant. Du coup, il a fait que pleuvoir et ce matin, quand on est arrivé pour la balade, le petit cours d'eau transparent était devenu un torrent de boue. Ah ouais. D'eau marron. Il y avait du monde, donc on a quand même. On s'est dit, bon, bah en fait, on a le droit d'y aller, donc on y va. Et on avait de l'eau quasiment mi-tibia. Je me suis retrouvé avec de l'eau au niveau du genou. Il y avait des trous en fait qu'on pouvait pas voir normalement. L'eau est super claire, il y a quasiment pas de rapide. Là, c'était compliqué. On voyait beaucoup de gens rebrousser chemin. Et donc ça a pas duré longtemps. Hein. On a fait un quart d'heure et, ouais. Et puis encore une fois. Mais il y avait énormément, énormément de déchets sur les côtés, dans l'eau. Et même l'odeur de l'eau, c'était pas hyper agréable. T'avais l'impression de te balader dans une eau croupie. Alors que non, puisque vu le débit, en fait, c'était pas stagnant, pas du tout. Mmh. Mais du coup, ouais, pas super fan. La pollution, là, ça nous a gâché notre séjour. Ouais. De dire ça, ça nous met un peu au premier plan, alors que c'est pas nous qui la subissons tous les jours. Hein. Ouais. C'est les locaux d'abord. En tout cas, nous qui arrivons là pour quelques jours, on voit même pas comment on pourrait se baigner dans la mer. Il y a une plage pas loin où on a regardé les avis et en fait, les gens disent que c'est hyper pollué, que ça sert à rien d'y aller. Et en effet, il y a quelqu'un qui a pris des photos avec des cadavres de rats et des animaux qui ressemblent à des chiots, mais sans tête et le corps un peu bouffé par la mer. Ouais. Donc voilà, Mouiné, c'est une station balnéaire hein, qui est prisée par les Russes et beaucoup les Australiens pour le surf. Et on s'attendait pas du tout à ça en arrivant ici. On pensait vraiment que ça allait être un peu station balnéaire cliché. On s'est dit, ça va être fun, il y a des dunes à faire, la dune rouge qu'on a fait le premier jour. Il y en a une qui est un peu plus loin, la dune blanche. Voilà, on s'est dit, ça va être marrant. Un peu plus loin aussi, il y a un espèce de grand canyon vietnamien, une balade à faire. Donc, ouais, voilà. C'était censé vraiment être une destination carrément atypique pour le Vietnam. Ouais, ça l'est au niveau des dunes, mais en fait, je vous jure, là, les déchets, c'est pas vivable du tout. On voyage en Asie du Sud-Est, donc on accepte les déchets parce qu'on n'a pas le choix. Hein. Si on est trop regardant, mieux vaut pas venir ici. Oui. Mais là, ça atteint des niveaux et des proportions. Ouais. Depuis qu'on est en Asie, on consomme de l'eau, même l'eau du robinet, puisqu'on a une gourde filtrante qui filtre 99,9% des bactéries. Donc ça nous permet aussi quand même de limiter grandement notre consommation de plastique, puisque voilà, la gourde, on n'a jamais de goût, honnêtement, à chaque fois. Pourtant, voilà, Thaïlande, Laos et tout le Vietnam pour l'instant, on n'a pas été malade à cause de l'eau et à chaque fois, elle n'a pas de goût. Là, ici, elle a une odeur. On n'arrive pas à se mettre d'accord sur l'odeur, mais ouais. Pour moi, c'est une eau vraiment pourrie. Croupie, c'est un mélange d'eau croupie et en même temps de chimique, moi, je trouve, un petit peu parsemé dessus. Là. Donc, même à la gourde ne file pas le goût, hein, elle file juste les bactéries. Donc là, on est obligé de prendre des bouteilles en plastique hein, parce que c'est pas possible. Et autre point à mouiner aussi, l'accueil. Bon, alors. Pas tout le monde, notre expérience, uniquement la nôtre, encore une fois. Là où on loge, on a été accueillis très froidement, c'est la première fois depuis le début du voyage, on a eu énormément de chance jusque-là. Ouais. Très froidement, et puis un petit peu partout, hein, de toute façon, voilà, il n'y a pas trop de sourires, etc. Alors on a lu sur des blogs que, encore une fois, Pauline vous l'a dit, il y a beaucoup de Russes et d'Anglais qui viennent ici. Sur les blogs, on a pu lire que le comportement n'était pas forcément adéquat, et je pense que ça fait quelques années que ça dure, et à mon avis, les commerçants ont perdu un petit peu leur sourire. On a visité le temple tout à l'heure, comme on vous a montré, il y avait un Russe qui était totalement torse. Alors vous l'avez vu, moi on m'a donné une cape et ils donnent tous des capes pour cacher les genoux, etc. Donc lui en avait une, mais quand il l'a enlevé, il était torse nu. Le mec est venu dans une démarche en mode je vais être torse nu, short de bain quoi. Oui, l'accueil des locaux s'explique, je pense, par un manque de respect de la part des touristes depuis des années et du coup, au bout d'un moment, bah, c'est normal. Enfin, quand on a affaire à des cons tout le temps, bah. Vulgairement, tout le monde tire la gueule ici. Hein. Ouais, que ce soit bon, les locaux par les raisons qu'on vous a dit, mais aussi les touristes. Oui, c'est vrai. On a croisé bon nombre de Russes et d'Anglais majoritairement. Tout le monde tire la gueule. Ouais. Pas super ambiance Mouiné hein, pour l'instant. Et même, vous avez une grande artère touristique, en fait, on va dire le centre-ville, plein de magasins de resto et la moitié des magasins sont fermés, l'autre moitié bah du coup c'est vide. Il y a énormément de restaurants gigantesques avec des tables pour 50 couverts, c'est vide. C'est très glauque. Du coup, voilà, c'est un melting pot là de trucs
nul, quoi. Ouais, le truc nul. Donc voilà, depuis le début, c'est vrai qu'on vous partage que des trucs à chaque fois positifs. Quand on a eu des petits trucs un peu négatifs, on en parle pas trop parce que bon, c'est pas trop le but non plus. Mais là, si jamais vous construisez un itinéraire au Vietnam, ces vidéos servent aussi un peu à ça. Ne mettez pas mouiné dans votre itinéraire. Peut-être que vous aurez une autre expérience que nous, ouais. Parce qu'encore une fois, c'est propre à chacun et ouais. Au moment où on y va, finalement, et les rencontres qu'on fait, etc. Mais bon, première vue quand même, ça a pas l'air dingue. En plus des déchets que eux produisent, l'Occident envoie énormément de déchets aussi en traitement en Asie du Sud-Est. Donc oui. On envoie notre mer d'ailleurs. Donc voilà, il faut pas taper uniquement sur les locaux. Non, il y a un manque d'éducation écologique de toute façon, c'est certain. On vous l'avait dit, dans les années 90, c'était le pays le plus pauvre du monde. Et énorme croissance sûrement. Et majoritairement dû au tourisme, mais du coup l'État et le gouvernement visiblement n'ont pas les infrastructures, n'ont pas permis au tourisme de se faire dans des manières écologiques. Sur les déchets, c'est aussi la faute des touristes et du tourisme de masse, puisque tout ce qu'on consomme, dès qu'on va vous allez prendre un coca, un sprite, un café dans un truc en plastique, soit un nombre de touristes par jour, par mois, par an, c'est évident que notre consommation à nous s'ajoute à celle des locaux. Et puis en tout cas on est touriste aussi et on fait partie de tout ça, nous deux, là, clairement. Ouais. Et ça fait aussi réfléchir sur le voyage aussi en général. Hein. On est très heureux de vivre cette aventure. Mais ça fait réfléchir le tourisme de masse qu'on voit aussi à plein d'endroits depuis qu'on voyage, depuis le début. Ça fait réfléchir parce qu'on fait partie, d'une certaine manière, aussi d'une grande mascarade à certains moments et d'une grande mascarade qui détruit l'écologie aussi, même si nous, on essaye de faire ce qu'il faut. Oui, et même sur le voyage, ou depuis quelques années, sur les réseaux sociaux, c'est un peu la quête d'aller dans des endroits non touristiques, de se retrouver seul, c'est la quête de la plus belle photo, de la plus belle plage, sans personne dessus. Et voilà, c'est cette recherche constante du lieu secret, de la plage secrète, alors qu'on est je ne sais combien d'Occidentaux à venir en voyage en Asie. Voilà, nous, c'est plein de choses qui se mélangent depuis qu'on voyage et on se remet beaucoup en question nous-mêmes et je pense que c'est aussi très important. D'ailleurs, on vous a sûrement parlé d'authenticité dans les premiers vlogs et au fur et à mesure des mois, on revient aussi sur cette notion. Ouais. Parce que quand tu voyages dans ces pays-là, majoritairement pauvres, on va se le dire, l'authenticité dans l'imaginaire de la personne qui vient d'Occident, c'est être dans un village avec des gens qui sont pauvres, ne voir aucun blanc, être parmi eux, ils te sourient, ils te tendent la main, ils t'offrent à manger, etc., avec un grand sourire. Vous devez voir ça absolument partout sur les réseaux sociaux. Alors que l'authenticité au Vietnam, c'est tout autant les grandes villes balnéaires avec des énormes buildings, une jeunesse aussi qui est débordante et qui a envie d'entreprendre, une énorme classe moyenne, des gens qui ont de l'argent. L'authenticité est partout et pas uniquement quand on se retrouve entouré de gens qui sont pauvres avec des chapeaux pointus en train de ramasser du riz. Par exemple, ici, il y a une forme de Silicon Valley qui se développe un peu comme en Californie, aux États-Unis. Il y a énormément de jeunes qui travaillent là-dedans, etc. Des quartiers, des affaires, c'est authentique puisque c'est des quartiers d'affaires d'un pays. Donc voilà, bref, l'authenticité, c'est pas juste une dame dans une rizière. Avec un chapeau pointu qui ramasse son riz et qui vous fait un grand sourire. C'est cool, c'est toujours des moments évidemment privilégiés, mais ça fait partie des clichés qu'on a en tête et qu'on veut absolument, en tout cas sur les réseaux sociaux, les gens essaient de chasser ces moments-là au détriment de beaucoup d'autres choses. Et depuis qu'on voyage, c'est vraiment ce qu'on voit. Et bon, on vous retrouve demain, soit directement pour mettre fin à cette vidéo, soit pour autre chose, on verra. Le vlog sera peut-être court ou peut-être long parce que ça fait un moment qu'on parle, mais tout ça, on avait envie d'en parler parce que c'est la tribune parfaite. Oui, d'ailleurs, dans les commentaires, à chaque fois, il y a toujours pas mal de personnes qui voyagent beaucoup et du coup, je pense qu'on serait hyper intéressé aussi d'avoir vos avis sur ces questions-là. Même si vous n'êtes pas d'accord avec nous, tant que ça reste évidemment constructif, nous, le débat, ou même si peut-être on se trompe sur certaines choses, on n'est absolument pas infaillible. Si vous avez des choses à nous apporter, n'hésitez pas. Ouais. Carrément. Allez, à demain. À plus. À notre prochaine destination. On espère que cette vidéo vous aura plu, même si on a un petit peu vidé notre sac. En tout cas, si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner si c'est pas encore fait. Vous mettez le petit Insta juste là. Et on vous retrouve bientôt. Bisous. Salut.